bien-aimés dans le Seigneur, que Yeshua, notre maître, Adam, notre créateur, Dieu, vous bénisse abondamment pour le temps que vous allez passer avec nous dans cette émission, dans ces cadres des avertis. Les avertis, comme vous le savez, nous venons souvent avec des vidéos par rapport à ce que le Seigneur nous met à cœur de partager, n'est-ce pas, avec ses enfants, avec son peuple, pourquoi pas avec ceux-là qui sont ni ses enfants, mais qui sont d'abord le peuple qui vont écouter. Et à la fin, chacun va se décider et va prendre réellement sa décision finale pour, n'est-ce pas, donner sa vie à Yeshua. Puisque comme vous le savez, Yeshua nous le dit lui-même dans le livre des Jean, qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne peut aller, n'est-ce pas, au ciel que sans passer par lui. Il faut que tu passes d'abord par lui pour hériter le royaume des cieux. La porte étroite, c'est le titre que vous voyez déjà. Comme d'habitude, Nakosa Lango, français, Lingala, je vais faire ça en français, en Lingala, en même temps pour que tout le monde soit réellement servi au nom de Yeshua. Nous allons d'abord prier. Papa, nous te bénissons pour le temps que tu vas passer avec nous, Seigneur. Nous croyons qu'il est poussé par le Saint-Esprit, que les hommes ont parlé de ta part. Laisse que, en cet instant, tu puisses réellement nous parler. Parle à chacun de nous, parle à mon frère, à ma sœur qui suit cette vidéo. Laisse que, Seigneur, nos intelligences puissent tomber, que seule ta gloire puisse explandir et que la parole puisse percer le cœur, Papa, et que chaque personne qui va écouter ces messages puisse changer sa façon de voir et de croire. Nous te bénissons car nous croyons que tu es au contrôle de tout. En ton nom, Yeshua, nous allons prier. Amen. La porte étroite. Ezali sujet oyo déjà batumingi balobela ngope, mais comme vous savez, le Seigneur Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous croyons que il va nous parler encore ce soir d'une manière particulière, puisqu'il ne multiplie pas les mots, en fait, même s'il dit les choses deux ou trois fois. Et essayez de bien suivre, vous allez comprendre que lorsque le Seigneur insiste, c'est peut-être pour toi qui es en train de me suivre, puisque Makambo peut être Yoka ou Yebango déjà, mais Tomekakosola Mouke. La porte étroite, Bible et Pessibiso, la porte étroite, pourquoi? Puisque Tolingi Koloba, d'abord, une porte, c'est l'entrée d'une maison, ok? Une porte, c'est une entrée, n'est-ce pas, d'une maison. Avant, Moutoua Kotananda, qu'il faut passer par la porte. Ce qui Moutoua passer par la fenêtre, Toko Bengaye Mouibi, Toko Bengaye voleur. Si quelqu'un passe par la fenêtre, il n'est pas le bienvenu. Et si quelqu'un passe par la porte, c'est que cette porte-là, déjà, et a été réservé pour que les gens y entrent, en fait. Il y a aussi d'autres portes qui sont réservées qui n'ont pas colonne d'acquisalipé. Alors, maintenant, dans le pays, nous sommes pour le monde, Bamboa, ça s'appelle la porte Nabango. C'est-à-dire, vous avez une grande porte, et puis il y a une petite porte pour Nabamboa. Ce qu'on a petite porte, Wana, elle est étroite pour Nayomutu, normalement. C'est-à-dire, tu ne peux pas passer par ces trous. Tu ne peux pas, n'est-ce pas, rentrer dans la maison à partir de cette issue, de cette porte-là. Pourquoi? Puisque cette porte-là n'a pas été faite, n'est-ce pas, à ta taille, au fait. Et ça qui va savoir qu'on a taille en bois. Et puis, même si tu es un autre champ, mais qui n'a pas la taille de cette petite taille qu'ils ont réellement conçue, pour moi, à Moukia Kota, ce qui est un peu de je vais dire, moi, mon aîné, tu ne peux pas rentrer, tu ne peux pas passer par là. Et Ndenge Moko, tu vois, qu'on conseille à Wana Kadra Kolobake, la porte étroite, ils allaient, nous allons battre. La porte étroite, Satan, c'est une porte qui n'est pas facile à donc d'y pénétrer, au fait. C'est pourquoi avant qu'on continue déjà donc nakotanga quelque chose tout en akat ya Matthieu chapitre 7 verset 13. La Bible nous dit dans le verset 13 que entrez par la porte étroite car large est porte spacieuse et le chemin qui mène à la perdition
Et il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte resserrée, le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Ça dit, Nzela Yamunene, porte Yamunene, et ça dit, donc la porte, n'est-ce pas, Yamunene, ça dit, Nzela Yamunene, ça dit, bah, par contre, t'as facilement. Pourquoi je dis ça? Lorsque vous prenez le grain, par exemple, je vais dire le grain de maïs. Le maïs, ce qui va moulango, va nikiango, il faut les kanatami. Ce qui est kanatami, va kotamisango, quand maïs est même peloso, va kotamisango. Mais ce kotami, wana, va saler en grandeur, il y a farine ou maïs, et qu'on va saler, parce qu'on a besoin en fait. Ce qui est le maïs, c'est un mobimba, et que les canatami ou anate. Maintenant, il faudrait que la personne qui n'est pas secoue, ou bien à bouger tami ou anna, a continué à bouger en gros, jusqu'à en sorte que ma crainte aux alliés. À peu près la grandeur aux alliés convenus par rapport à tami ou anna, et quitte en assez. C'est ainsi aussi que, tant que le balikambouya est forcé, c'est-à-dire la porte étroite, ce n'est pas une porte qu'on peut dire, oui, justement, j'ai cru en Dieu, je crois en Jésus, je sais que c'est lui qui est mort pour moi et puis c'est bon. Non, ce n'est pas ça. C'est-à-dire, pour y pénétrer, il faut faire, il faut fournir des grands efforts, des grands efforts. Tobak, verset Boussoussou, Luc chapitre 13, verset 24, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Efforcez-vous. C'est-à-dire que ce n'est pas une porte qui semble être bien aux yeux de tous. C'est pourquoi lorsque, par exemple, aujourd'hui, ce matin, j'étais en train de visionner, de visualiser, je vais dire, quelques vidéos étrangères des États-Unis, je vois cette masse des églises dites mega churches. Église, avec beaucoup de gens, avec beaucoup, n'est-ce pas, de miracles, comment dirais-je, visibles, mais qui sont faux, en fait. Des miracles trafiqués, en fait. Mais tu vois qu'il y a beaucoup de gens qui entrent dans ces stades, dans ces salles. Pourquoi? Puisque ils allaient place au bateau, ils quoi tirer bateau. C'est comme maintenant là, il y a bientôt là, la Coupe du Monde, non, de foot. Vous verrez que même s'il y a des gueurs, les gens oublient les gueurs, mais ils vont s'investir au foot. Pourquoi? Puis ça fait plaisir et c'est accessible à tous. Bah qui pagate aux équipes amoune et toi qui pamouke, bah qui pagate na peine. Non, est-ce que Bolia Kato, ça dit tout le monde qui peut compétir, il va compétir. C'est ça, au fait, le chemin donc, qu'on appelle spacieux. Le chemin qu'on appelle spacieux, c'est ça, au fait. La route qui mène à la perdition, c'est ça, au fait. C'est-à-dire, là où il y a facilité, il y a qu'on pénétrer, facilité à qu'on côte. Mais la porte étroite, la Bible nous dit de nous efforcer pour entrer. Car, je vous le dis, Yeshua parle, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Donc, ce n'est pas facile d'entrer avec ta philosophie, ce n'est pas facile d'y entrer avec tes pensées, ce n'est pas facile d'y entrer avec ta force, ce n'est pas facile d'y entrer avec ta conception des choses. C'est vraiment la grâce de Dieu. Tu te disposes pour y entrer, tu te forces, tu portes ta croix, tu vis dans une vie qu'on appelle la vie d'une vie donc de sacrifice. Tu te sanctifies, tu te purifies, tu viens vers lui avec un cœur ouvert, tu laisses ton monde à toi, tu laisses ta vie à toi, tu laisses tes biens à toi, tu viens vers lui. C'est lui la vérité, le chemin, la vérité et la vie. C'est pourquoi tu ne peux pas passer par la porte étroite sans passer par Yeshua. Puisque quand tu vas entrer par la porte étroite, c'est là où tu trouveras la bergerie. C'est là où le berger est en train de paître ses troupeaux. Et tu ne peux pas y accéder si tu n'as pas encore donné ta vie à Yeshua. Tu ne peux pas y entrer si tu n'as pas encore pris la décision de tout abandonner.
Est-ce que ça le quoi là, jeune homme au baloba qui te mouto baloba qui naïque que va vendre tous tes biens, partage l'argent aux pauvres, puis viens suivre moi et il n'est jamais revenu. Tu es comme celui-là. Ou tu es comme Judas qui pensait, n'est-ce pas, donc de vendre Yeshua pour quelques pièces et puis après il s'est retrouvé perdant. Est-ce que tu te retrouves comme Pierre avant l'effusion du Saint-Esprit qui, lorsque reconnaître Kazaki, disciple à Wangani Yesu, est-ce que tu es du nombre de ces gens qui sont comme ça? Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car plusieurs, je vous le dis beaucoup, chercheront à entrer et ne le pourront pas. Ça dit, c'est par la grâce de Yeshua que tu peux, n'est-ce pas, avoir même le goût de la parole. C'est par la grâce de Yeshua que tu pourras avoir même le goût de l'évangile. C'est par la grâce du Seigneur que tu peux avancer dans la foi. C'est par la grâce du Seigneur que tu peux croître dans la foi. C'est par sa grâce que tu peux entrer par la porte étroite. Je vais encore ajouter le verset que je suis en train de dire là, Jean 10, 9. Yeshua dit, je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé et entrera et il sortira et il trouvera de pâturage. Comme je venais de vous dire, c'est là, il y a une bergerie, c'est là où repose, n'est-ce pas, la présence de Dieu, c'est là où repose, n'est-ce pas, la grâce de Dieu, c'est là où repose, n'est-ce pas, le cœur de Dieu. C'est-à-dire, il faudrait rentrer, n'est-ce pas, par la porte qui est Yeshua. C'est lui, au fait, qui va ouvrir, c'est lui, au fait, qui est la porte de brebis. Matthieu 19, 24 dit ceci encore, je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ça veut dire que ce n'est pas facile pour quelqu'un qui a la charge, qui a le poids, qui a, n'est-ce pas, toute la philosophie, qui veut penser qu'il peut même acheter la grâce, acheter le miracle comme Simon le magicien, pour, n'est-ce pas, prouver au monde. C'est difficile pour de tels gens d'y entrer. Il faut être comme le brigand à la croix qui a reconnu ses fautes, reconnu ses erreurs. Il faut être comme Nicodème dans Jean 3 qui est venu de nuit pour réellement chercher à trouver la bonne réponse à ses préoccupations. Il faut que tu sois une personne, oiseau Luca, n'est-ce pas, Bokonzialikolo? N'est-ce pas, Yeshua a dit, cherchez d'abord le royaume et la justice et tout ce que vous voulez, tout ce que vous voyez, vous sera donné par-dessus. Et pourtant, Mingi, ils ont été créés à l'image de Dieu. Mais bali ko bebi sa image wana na ba posa na bango. Bali ko bebi sa image wana na makambu makanisi na bango. Les gens s'entretuent à cause de bouts de terre. Les gens s'entretuent à cause de d'argent. Les gens s'empoisonnent à cause de la jalousie puisqu'ils n'ont pas connu la vérité. Ce qui yozo kangai, osana kati makambu ndeko bima na kati wana. Cherche à trouver, n'est-ce pas, une bonne personne qui va réellement prier avec toi. Cherche, n'est-ce pas, même seul, tu peux aussi rentrer dans ta chambre et prier. Mais si tu trouves des difficultés, et tu peux aussi nous contacter, pas pour Nabiso, mais pour Nayomoko. Tout ce que nous sommes en train de faire, nous ne le faisons pas pour nous, parce que nous croyons que nous sommes sauvés, et nous voulons que tu sois aussi sauvé. C'est pourquoi nous venons avec ces messages pour Nakoye Bisayo, que tu dois rechercher, n'est-ce pas, de te forcer d'entrer par la porte étroite. Et cette porte étroite, et voyons nos muscles naoté, nos macasses naoté, nos mains naoté, mais nos mawapé nangouya Yeshua. C'est pourquoi je te demande, mon frère, ma sœur, le message que je t'ai donné aujourd'hui, c'est un message, n'est-ce pas, évangélique, pour te dire que le Seigneur est à la porte, il est en train de frapper. Azobeta nakati libosoa dakunayo. Des fois aussi, tu retrouves dans ta vie, tu as des problèmes, tu as des soucis. Et ces soucis
pourront aussi t'aider à comprendre que lorsque j'ai des soucis, je dois chercher la face de Dieu. Des fois, tu fais des choses, et aussi mbate, kolembate. Des fois, tu vois des problèmes arriver, kolembate. Kangamana Yesu, kangamana Yeshua, kangamana Nkolo, okozwa lobiko na seko. Yebaka ngoke, ce qui ata yo, o force ndenge nyonso, ata oza kolea bien, ata oza kolata bien, ata oza kolala bisika bien, mais ton âge avance, tu peux aussi mourir, mais la vie aussi de surprise, tu peux aussi mourir. C'est pourquoi la vraie vie, c'est entre les mains de Yeshua qui est réellement la porte des brebis. C'est lui, au fait, cette porte donc, par laquelle il faut luka au kota. Puisque ceux qui ont koti si kote, au fur et à mesure qu'on se colle, au commis, au comme on a dégommé comme en Zambie, au fur et à mesure qu'on se colle, ce qu'on suit ma bonne décision, au commissana, comment. Comment dire, un nouveau poisson va pêcher dans la mer. À Kanisi, il y a un aquarium pour la libération, un aquarium pour la transition, il y a après. Tu vois un peu, ça dit que tu as mis ça dans la vie, dans la salle de bain, après avoir vendu quelques temps, 30 minutes, 40 minutes, lui croyant que cette eau est toujours chaude, ok, monte ce xili, mais comme il s'est habitué, il reste là. C'est pourquoi je te dis, au fait, pour Luka Bokonzia Likolo. Luka Okota par la porte étroite. Tika Bisengo ya Mokili. Yoza pasteur na kati église. Oza ko zwambongo. Oza ko sala ba faire. Oso bongi na kati ya vie na yo. Est-ce que ko sala te stop na minute oyo? O Luka Siko, makambo nyo soza na ngowana. Mbongo nyo soza na ngowana. O pesa na batu msu soupe. Entre temps, tu vas avancer dans la prédication de la parole. La vraie parole. Le vrai évangile de Yeshua. Dali ko senga sous na yondeko. So ke o moni makambo. Vous comprenez mal à mouté tout n'a biso comme la biso tous en a été repris sur la réponse par la grâce de Dieu. Moi, je finis mon message par donc cette phrase pour dire que Yeshua revient bientôt. Ce qui attaille le loté l'obia yete, mais yo vinao et au kena souka. Est-ce que tu es vraiment prêt pour entrer dans le royaume de Dieu? Y a mon ami que c'est un an de co sonité, qu'aucun a opé, comment était que vous a ce qui opé si. Position ya bon moyen puisque tu te connais ndengo zola ndangai obi bon moyen ko leka ngai obi makambo sala katango za kayo moko obi makambo kanza katango za kayo moko alors que ne viens pas vers moi pour na ko sala ba repentance be ko tubela mais tubela na kata chambre kota na chambre na okanga ngo senga nzambe pardon senga nzambe alongolo motema mabe wana za ngo senga nzambe alongolo jalousie wa za ngo po n'est-ce pas o mona bokonzi na ye. Que le Seigneur Yeshua vous bénisse abondamment. À la prochaine. Shalom.